Eh bien, bonga, bienvenue sur l'épisode 3 de Batman Arkham Asylum. On se retrouve exactement à l'endroit où on s'était laissé lors du dernier épisode. Et donc, on va essayer de retrouver comment rentrer et trouver Harley Quinn, cette petite vilaine. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose quand même sur le toit. Là, on avait vu. Là, bah tiens, on n'a pas été. J'avais dit qu'il y avait rien du tout. Alors peut-être qu'au moins, en fait, il y avait quelque chose. En effet, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ah bah oui, un mur à péter. Hallelujah, mon frère. Non, c'est pas ça, c'est le gaz. Voilà. Pif paf. Et hop, on se casse. Tac. Fais péter. Oui. A pu. A pu. A tout fait péter, Batman, bravo. Alors je suis désolé si vous entendez quelques souffles dans mon micro. Ça vient du ventilateur parce que sachez qu'il fait encore très très chaud. Oui, c'est l'heure de la météo de Juanito. Non, je rigole. Il fait encore très chaud donc je suis obligé de mettre le ventilo. Sinon, bah mon micro colle à mes oreilles. Assemblez tous les médecins. Fouillez chaque centimètre du centre médical. Alors, le Joker vient de venir. Chaque bureau et chaque ouvert. Si un autre médecin essaie de sortir là. Du bâtiment, toi, tu n'en sortiras pas. Si nous voudrions prendre le gaz, Caron, tu peux le faire courir. Bon sang, je pourrais le faire quoi. Oui, ça a l'air amusant. Ça grimpe ici. On va essayer de finir vite le Batman Arkham Asylum, comme ça on passera vite sur Arkham City. Et on pourra préparer le tout pour Arkham Origins qui sortira en octobre. Il y avait rien de l'autre côté. J'ai même pas essayé, je suis allé directement là. Quel mec quoi. Le mec quoi. Non, il y a rien avant. Oh, ça descend. Ah, si, bah le mystère. J'ai bien fait d'aller là récupérer un trophée du Sphinx. Alors, hop, on redescend du coup. Alors, c'est vraiment pas un jeu qui fait peur, hein. C'est une ambiance très glauque. Mais descends avec les autres. Bouge-toi. Ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins? Je dois les sauver. La baston. Alors, combien ils sont armés, mes couilles? Oh, arrêtez de pleurer! Ou je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Lui, il est en bas. Ah, mais ils sont tous les deux en bas. Ça risque d'être chiant. Ce qu'on peut faire, c'est aller là. Faire péter ça. Alors, paf, on descend. Hop, ça va faire diversion. Comme ça, ils vont pouvoir se séparer. Je supporte pas les peurs de ça. Alors, on va le faire péter. Alors, lui est à terre, ça l'a choqué ou ça l'a tué. Faire, c'est quand ils vont retourner là, hop, ils vont tomber dans le trou. Tac. Ah, c'est très technique hein, ce que je fais aujourd'hui. Ah bah, vous allez faire, vous allez tous crever, je pense. Hey, tu m'entends? Montre-toi. Ils vont tous crever, je le sens. Est-ce que vous êtes stressé, Robin? Votre cœur bat vite, alors saisissez-vous et arrêtez la chauve-souris ou je me chargerai de votre tension définitivement. Quel taré. Ils sont terrifiés, hein. Regardez un peu la... Regardez le pouls des petits méchants des hommes du Joker, ils sont stressés. Alors... lesquels je peux attaquer? Ils sont tous à côté de là, ça c'est un peu chiant. J'aime pas l'hôpital, ça me fout toujours les chiens. Chiant. Comment je peux faire pour me démerder pour qu'ils se séparent? Parce que là, regardez, ils sont tous les quatre à côté, il suffit que j'y vais là, ça des suicides s'ils me tirent dessus. Paf. On appelle le docteur Chauve-Souris. Y a-t-il un docteur Chauve-Souris dans la salle?
Ah, lui il est parti tout seul, alors lui ça va être le prochain client. Les hôpitaux doivent être propres, non? Ce coin pue. À moins que lui va sur ma petite plaque là-bas. Alors là ça va être dangereux de le prendre lui parce qu'au final il y a une... les autres ils ont une vue sur moi. Alors. Allez, on espère. Je ne peux pas vous inquiéter, mais je pense qu'il pourrait être là avec vous. Allez, avance, s'il te plaît. Oui, 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 boum. Ah, on se sépare, trouvons-le. Oh, oui, il est mort, c'est bon. Alors, lui, là-bas ne bouge pas, alors je vais m'occuper de lui. Il est là, à terre! Par ici! Ils sont chiants là, ils restent sur place. J'ai hâte de sortir de là. Voilà, hop. Oh oh oh, vite, Batman. Le mec est arrivé sur moi, j'ai un peu stressé, je me suis dit, je vais me faire tirer dessus. Quelqu'un peut venir m'aider? Ouais, regarde, j'arrive. Mais qu'est-ce que... Bonjour. A pu. Ouais, il y a un docteur ici. Non? Il semblerait que j'ai un tas d'hommes de main blessés ayant besoin de soins. Vous êtes en sécurité. J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rondes de nuit et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Étaient-ils accompagnés par quelqu'un? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Ils ne voulaient manifestement pas être suivis. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. Et les autres? On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devra aller les aider. Oh, j'oubliais. Le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Young est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien? On est sauf. Batman nous a sauvés. Ok, tac, je peux par là du coup, je pense. Je peux encore aller. Putain de chargement. Alors, tous faut que j'aille en radiologie apparemment. Et rejoignent tranquillement leur chambre. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young, notre nouvelle directrice de recherche. Depuis qu'elle a rejoint notre équipe il y a 2 ans, Arkham est à la pointe de la recherche en matière de prévention du cerveau. Oui, ben on s'en fiche, je vais la sauver. Comment peut-on comprendre et au final traiter une entité si complexe? C'est le docteur Young. Ouais, elle peut m'opérer quand elle veut. Allez, je vous attends, touché. Et boum, ça c'est fait, too easy with Batman. Bon ben next, on continue. Apparemment y'a personne pour me déranger. Pourquoi vous faites ça? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche sans la permission.
l'autorisation express du Joker. J'ai pour ordre de m'assurer que vous serez emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Détaillé à l'intérieur. Alors, on va essayer de faire un peu passer au bourrique aussi. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Est-ce que je veux savoir pourquoi vous m'avez choisi ? Le Joker m'a-t-il spécifié ? Normalement, là, ça devrait les tuer tous les trois. Je suis sûr qu'on peut régler ça. Madame, maintenant, il va falloir tuer le quatrième. Je vais vous faire mal. Vous comprenez ? C'est quoi ce bordel ? Non ! On est attaqué ! Ah, Elle est morte ! Ah merde, ils ont tué la femme. Fastoche, dur. Je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Cette sociologie explosive, ce sont les deux murs à la fois pour éliminer tous les ennemis. D'accord, j'ai pas vu qu'il y avait des deux murs. Bon, mais c'est pas grave. Premier fail, je ne suis pas mort. Attention, Batman n'est pas mort. Pourquoi vous faites ça? C'est j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche dans la terre, vous êtes pas du Joker. J'ai le pouvoir de m'assurer que vous serez emmené au plus ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié. Ah, il est là-bas, d'accord. Des amis à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis consciente que cette opération, comme vous l'appelez, nécessite des amis. Est-ce que je veux savoir... S'il vous plaît. Super, on peut pas rentrer par une porte. Bah, c'est n'importe quoi. Que se passe-t-il? Ils parlaient comme s'ils avaient le contrôle. C'est vrai que le Joker s'est échappé? Malheureusement, oui. Mais il ne restera pas libre longtemps. J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois. Le directeur était très clair. Le Joker devait être guéri. Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire. Ce sera le cadet, c'est... Ah, bon sang. J'ai failli oublier. Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement pour traquer les autres médecins. Pas d'inquiétude, docteur. Je vous ai sauvé d'abord et je vais maintenant fouiller les autres salles. Attendez là, c'est dangereux dehors. Okay, le personnel là, médical a encore besoin de mon aide. N'oubliez pas. Ça me semble qu'il n'y a rien, hein. Non, c'est pas ça la carte. Si c'est ça, mais pourquoi je la vois pas? Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc je vais suivre, à mon avis, la ligne rouge. Non. Là, on va retourner au bout de la ligne verte. Nous demander si la psychose était en elle-même neurotoxique. Non, ça, c'était pas la peine. Si les changements potentiellement nuisibles pour le cerveau étaient liés à la durée des épisodes. Le projet Titan, alors ça c'est... Ben voilà, c'est le projet de Joker. C'est l'arrivée du patient X que nos attentes ont été revues à la hausse. Le patient X a été le précurseur, conduisant à l'adoption à grande échelle du processus Titan. Nous devrons tous remercier nos bienfaiteurs pour cette opportunité. Et offrons une vaste gamme. Alors là, c'est bien ça. Donc là, donc on va suivre d'abord la ligne. Partir sur la gauche. Alors je sais pas si ça va être la bleue ou la rouge. C'est la bleue. Pourquoi la gauche? Parce que comme dans un labyrinthe, on dit toujours de prendre la gauche. Où il a trouvé ce crochet? C'est quoi ton problème? T'es au courant de rien? C'est Batman! Oui, c'est moi! Salut! Ça va les mecs? Bunga! Voilà! Vas-y, là, vous tuez! Easy! Patron, c'est fait. La salle est pleine de gaz et Capitaine Crochet est coincé dedans. Le problème, c'est que Razor n'est pas sorti à temps. Il est coincé. Il est là! Allez, Batman! Tout easy encore, hein. Gâche, partage. Une alarme a retenti dans le centre médical. J'ai entendu quelqu'un crier et trouver le docteur par terre. Quand je suis venu l'aider, la pièce a été remplie de gaz. Ses portes se sont verrouillées. On ne peut pas sortir. J'ignore combien de temps on pourra tenir. Quel courage! Donnons un coup de main à Monsieur Cash. Il pourrait en utiliser. Tu riras beaucoup moins quand je sortirai de là. En se détendant, je ne fais que te taquiner. Vous devez nous aider. Je
peut-être mettre les sous-titres parce que c'est vrai qu'on entend peut-être pas forcément au niveau de la vidéo. Vous voilà. Évacuez le gaz de la pièce, le doc et moi pourrons sortir de là. Tap tap tap. Où c'est que je dois aller? Ah d'accord. Je ne peux pas laisser cet homme mourir. Je dois vider la salle du venin aussi vite que possible. C'est toujours pas mes bâtards ont télécommandé, non? Alors peut-être que ouais, là, je devrais l'avoir. Ouais, c'est une hélice. Ce tableau montre que le ventilateur est alimenté. Je sais, c'est moi qui viens l'alimenter, canard. L'autre alors, non mais merde. Non, là je ne vais pas, là je devrais l'avoir. Il est où? Oui, il est où? Elle est où la deuxième boîte? What? Elle est où? T'en déconnes? Ils sont drôles là, mais comment je suis censé aller là? Paf, 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 non, là je peux pas. Oh, déjà lui là-bas, ça me gonfle à courir, tac. Ah bah d'abord il y a celui-là. Là. Ah voilà. Encore une fois, les trois ventilateurs sont verts. Ils marchent à pleine puissance. La pièce devrait se vider à tout moment. Surprise, surprise! Batman arrive juste à temps. La prochaine fois, Cash, je te descendrai et tout sera réglé. Allez hop, le docteur. Je ne sais pas. On l'enferme, il sort et des gens meurent. Si je pouvais être seul avec cet animal ne serait-ce qu'une minute. Je n'aurais pas dû quitter bon, les soins. Bah lui est sauvé. J'aurais dû m'assurer que ce carré reste là où était sa place. Maintenant on va aller chercher. Le personnel médical a encore besoin de mon aide. Que tous les patients restent. Alors on va suivre la ligne rouge. Et rejoignent tranquillement l'urgence. Je ne suis pas sûr de pouvoir garder un secret plus longtemps. Deux vieux amis vont venir à la fête. L'un d'eux est terrifié à l'idée que tu partes sans lui dire bonjour. L'autre est là, disons simplement qu'il sera aussi surpris de te voir que toi. Batman! Ne parlez pas, vous êtes sauf maintenant. Mais c'est un piège! Je sais, ce n'est juste pas pour moi. C'est vrai! Tu es vraiment le plus grand détective! Comment as-tu réussi, Batgirl? Oh, bon sang! Venez là, les gars! Voyons s'il peut détecter un coup en pleine poire! Non mais alors là c'est vraiment ça le truc avec le cœur. Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Le 1er avril, descendez maintenant. Je sais pas s'il essaye de le prendre dedans. Oh. J'ai pulvérisé. Et voilà.
Bon bah voilà, ton piège Joker est raté encore une fois. Ne prends pas la grosse tête, Batou. Je ne fais que te ramollir. Considère ça comme un avant-goût de l'événement principal. Tu viens... Pardon, j'ai essayé de vous le dire. Je ne pouvais pas parler. Du calme. Vous êtes sauf maintenant. Je peux m'occuper de ces misérables malfrats. Tu m'étonnes. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? L'ordre. Alors, je regarde un peu parce que j'ai des verrouilles de succès, sauver tout le mutin. D'accord. Y'a rien ici. Y'a que Pouic. Hop. Bienvenue à l'asile d'Arca. Je déplace près du rythme pour le grand événement. Allez, amène le popcorn. Ah oui, alors lui, il faut. Voilà. Il faut l'étourdir avant de taper quand il a ramé tout le temps. Un patient heureux. Silencieux. Bienvenue à l'asile d'Arca. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arca va tomber, rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation. Je pense qu'il faut aller là, je suppose. Retourner ici. Vous les avez trouvés ? Ils vont bien ? Oui, ils sont saufs maintenant. Batman ! On a un autre problème. Je dois aller au manoir. Toutes mes notes de recherche y sont. On ne peut pas risquer que le Joker mette la main dessus. Ce n'est pas un lieu sûr, docteur. L'île est une zone de guerre. Vous n'aurez aucune chance. C'est l'œuvre de ma vie. Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de... Je la ramènerai, Batman, si vous me le demandez. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. Je n'aime pas ça, mais... Qui a appelé l'ascenseur ? C'était pas nous ! Ça vient de l'étage inférieur. Cash, emmenez le docteur Young. Prenez ses notes et trouvez un endroit sûr où les mettre. Vous autres, allez dans la salle d'observation. Barricadez-vous dedans. Le patron dit qu'il est là-dedans. Ouais ! On se sépare. C'est tout ? Bah c'est tout ! C'est une blague ! Bah c'est tout, non, mais sans déconner. Ces photos doivent être propres, non ? Ce coin pue. C'est Batman, il est là ! T'as chier, eux ! J'ai pas vu. Je suis un peu fail, mais c'est pas grave. Monsieur est un peu fail, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi il s'est retourné, enfin d'un coup. Il était peut-être discret, je sais pas. C'est dommage, bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Quel taré a construit ce truc ? Ça ressemble pas aux hôpitaux que j'ai visités. C'est back ! T'es tout seul, copain. Je l'ai perdu. Où il est ? Regarde, j'arrive, t'inquiète. Je vais pas trop me cacher avec toi. Il va me liquider, j'en suis sûr. Hein ? Il va te liquider, non. Batman ne tue jamais. Ok, alors où dois-je aller ? Batarang de combo, ouais. Illumination de combo spécial, ouais. Alors, carte du monde, je dois aller à l'ascenseur, nickel. Il se trouve où cet ascenseur ? Là, je pense. Ouais, là. Je dois aller à la morgue, ça va être pas du tout mort. Ça pas du tout être mort. Bravo Ronito pour ce jeu de mots tout bidon. Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal, suspendue de manière précaire au-dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chiot ? Dis bonne nuit, Batou. Je te réserve quelque autre surprise.
Prépare-toi à affronter tes peurs. Toutes tes peurs. Affronter mes peurs. Celui qui fait peur normalement dans Batman, enfin qui fait peur à Batman, c'est l'épouvantail. Hein. Le passage avec l'épouvantail est flippant quand même, je tiens à vous le dire. S'il vous plaît, aidez-moi, Batman! Non! Oh, Gordon! Allez, Bat! Allez, Bruce! Allez, c'est beau, c'est tordu un peu la ville là. Gordon. Pardon, Jim. Hein? Je me rappelle plus ça. Barbara. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Ah, c'est bien le passage de l'épouvantail, je me rappelle. Ça fait pas du tout flipper, hein. Je viens de rentrer dedans, c'est quoi ce bordel? Père, tu aurais dû lui résister, mon fils. Comme un homme. Sa mère, je suppose. Maman. C'est le moment de l'épouvantail, ça va être un peu flippant.
plus. Mon petit Batman, tu es dans mon monde maintenant. Eh bien oui. On va affronter l'épouvantail. Mais ça, je vous le réserve pour l'épisode prochain qui sera l'épisode 4. J'espère vous retrouver au rendez-vous. Sur ce, je vous dis à plus tard pour l'épisode 4 de Batman Arkham.